Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Jones, Leclerc et Lando Norris. Et voilà qui met fin aux qualifications. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le circuit de Silverstone propose un tracé long de 5,7 km et 18 virages et la pluie s'y invite assez régulièrement. Le DRS n'est pas disponible dans ces conditions, mais les lignes droites de Wellington et de Hangar sont tout de même propices au dépassement lorsque l'on exploite au maximum le phénomène d'aspiration. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Jones part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Pérez, George Russell et Sainz, Verstappen, Hamilton, Ricciardo et Pierre Gasly, Mick Schumacher, Ocon, Kevin Magnussen et Tsunoda, Bottas, Zhou, Enzo Fittipaldi et Sebastian Vettel, Stroll, Fernando Alonso, Albon et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Bon, parlons un peu de Jones. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leur constance. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Et ça y est, les pilotes partent pour le tour de formation. La météo est grise et humide aujourd'hui, et les pilotes vont devoir prendre en compte ces paramètres pour correctement préparer le départ de la course. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui.
c'est Leclerc qui détient le meilleur tour en course. Avec notre coéquipier est de 11,7 secondes.
encore durer 20 minutes, peut-être plus. La pluie fine va durer. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Avec notre coéquipier, 13,8 secondes. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. Sous cette pluie fine pendant un moment. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires.
Norris vient de signer le meilleur tour de la course jusqu'ici. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Avant la fenêtre d'arrêt au stand, tu repartiras en intermédiaire. Avec notre coéquipier est de 23,5 secondes. D'après le radar, on va bientôt avoir de meilleures conditions. Il faut encore compter environ 10 minutes de pluie. Sur ce tour, donne tout ce que tu as.
comme ça. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. D'après les prévisions actuelles, on en a encore pour 5 à 10 minutes de pluie. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. Passer derrière, reste concentré.
commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres arrêts au stand. L'asphalte devrait bientôt être sec. Fais attention à ne pas abîmer tes gommes. Apparemment, les flaques commencent à se résorber. Je pense que tu as encore les bons pneus pour le moment. Mais on ne va pas tarder à pouvoir chausser les slicks si ça continue. Voici l'écart avec notre coéquipier. 34,1 seconde. We'll be right back.
de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. Drapeau jaune. Retour à la normale. Risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Avec notre coéquipier est de 43,6 secondes. C'est Leclerc qui détient le meilleur tour en course.
présente bien, la météo est avec nous. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,7 secondes. Nous ne sommes plus trop sûrs que tu sois sur les bons pneus. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. Attrape la voiture de devant, mais attention à tes pneus, ils doivent durer jusqu'à la fin de la course. Nous avons près de 4 tours de carburant. Partout sur la voiture de derrière, une seconde. Il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. À peu près 3 tours de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour.
retard avec la voiture qui nous précède est de 2,0 secondes. L'écurie a réalisé une prestation exemplaire sous la pression. C'est une victoire bien méritée ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Charles Leclerc, actuellement en tête du classement, conforte un peu plus sa position avec ce résultat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est Fernando Alonso. Sa stratégie était impeccable et il a réussi à maintenir un bon rythme tout au long de la course. Passons à présent aux constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite.